Bienvenue sur Des Bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est la différence entre une chanson et une musique. Eh oui, savez-vous quelle est la différence entre une chanson et une musique? Détrompez-vous, chanson et musique ne sont pas des synonymes. On entend très souvent des gens dire « j'aime bien cette musique ». C'est qui chante? Je n'écoute que Chéri FM. Il y a de la vraie musique sur cette radio, j'adore la nouvelle chanson de Black M. Sa musique me parle vraiment. Face à ces propos, vous conviendrez qu'on peut rencontrer des difficultés à comprendre ces deux termes. Bon, quelle est la différence entre une chanson et une musique? Retenez donc que la chanson est un texte chanté ou dit, comprenant un refrain et des couplets qui accompagnent le rythme d'une musique. Voilà pourquoi on entend, à juste titre, des gens dire « j'aime bien les paroles de cette musique ». Sans les paroles, une musique peut probablement devenir moins intéressante aux oreilles de certaines personnes. Quant à la musique, il faut la considérer avant tout comme un art. La musique est l'art de combiner des sons en respectant des paramètres précis afin d'obtenir un ensemble harmonieux. La musique est donc un ensemble de sons produits par une femme ou un homme, en utilisant ou non, un ou plusieurs instruments, ou objets, dans le but de créer un ensemble agréable à l'écoute. Il est important de préciser qu'une musique ne plaît pas forcément à tout le monde. Enfin, on peut donc considérer que d'une part, nous avons des paroles, chansons, et d'autre part des sons, ou une mélodie, musique. Et quand on les combine, on peut avoir le tube de l'été. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. À bientôt sur Des Bêtiseurs.